Ce journal se poursuit toujours avec la page agriculture. Elle se positionne comme la vitrine de la promotion des industries locales, la foire africaine du bio. La première édition a été annoncée ce week-end lors d'une conférence de presse. L'événement, qui se tiendra pendant 2 jours dans la commune de Bingerville, réunira les acteurs du secteur agricole venant de divers pays, nous disent Ange Assémian et Marie Siri. Au moins 2000 participants sont attendus à l'occasion de la foire africaine du bio, une première édition dédiée à l'agriculture, la chaîne de départ de toutes les industries de transformation. Avec pour thème agriculture et environnement, le bio au cœur du développement économique et sanitaire de l'Afrique, elle sera l'occasion pour les producteurs bio africains de présenter leur travail et leurs produits aux consommateurs et professionnels du secteur. La cible également, ce sont les consommateurs. Donc nous attendons autant les industries du domaine du textile, de l'agroalimentaire, de la cosmétique, que les agriculteurs et les consommateurs eux-mêmes. Cette première édition de la FAB aura un auditorium dédié aux acteurs du secteur agricole, un espace adéquat privilégiant le Made in Africa, avec en plus des formations pratiques sur les technologies agroalimentaires. Nous aurons un auditorium dédié aux problématiques agricoles et écologiques. Nous aurons également une exposition vente et nous aurons un atelier sur les technologies agroalimentaires et sur la sensibilisation à la consommation locale. La première édition de la foire africaine du bio se déroulera les 23 et 24 septembre au foyer des jeunes de Bingerville.